Alors, budget. Donc, en fin de conseil, Marie, je crois que vous avez préparé les enveloppes, c'est ça? Oui. Donc, on aura les comptes administratifs. Je vous rappelle que vous avez reçu l'invitation pour la dernière commission des finances qui avait eu lieu le 20 février à 18h. Elles sont ouvertes à tout le monde. Hein. La prochaine, c'est. C'est le 29, bon, j'ai noté, mais j'ai vu qu'on avait changé de date. Donc, du coup, comme chaque année, on a le droit et l'opportunité de lancer des dépenses d'investissement avant le vote du budget, ce qu'on avait fait l'année dernière pour la journée de Salvador Allende. Il faut que ça reste sur des. Je sais plus que c'est le montant. C'est le quart. Il faut qu'on a l'autorisation dans la limite du quart des crédits inscrits l'année dernière. D'accord, ok. Et. C'est sûr, on a voté de. On a voté. Oui. 2-3, on a voté. Oui. Hein, on a voté quand même. On a duré. Bon, ok, donc autorisation de dépenses. Du coup, là-dessus, donc il est proposé au Conseil d'engager avant le vote du budget. Donc, comme l'a expliqué Maryse, parce qu'on est toujours en dessous du quart de ce qu'on avait dépensé l'année dernière. D'une part, la réalisation d'une voie en concassé sur le domaine de la Caillitière, donc c'est poursuivre celle qui est au-dessus du pigeonnier pour aller au bout de la dernière barre. Et d'autre part, la desserte de l'ensemble des barres donc en réseau, ce qu'on a commencé pour les deux premières, c'est-à-dire eau, électricité, téléphone et tout à l'égout. L'idée étant de mutualiser le matos tant qu'il est sur place, notamment les engins de chantier, pour un montant estimé à 35 000 euros, parce que là, c'était partie des premiers devis estimatifs qu'on a reçus. Voilà, on va être en dessous, mais comme on le fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on demande un premier devis pour avoir une idée de l'enveloppe, ensuite on le valide en conseil, et après on fait comme d'habitude en devis, mais voilà, ce sera en dessous. Crédits nécessaires sont alors inscrits d'office au budget 2018. L'idée étant, grâce à ça, on a suite à ce boulot, les quatre barres donc, qui s'appellent P6, P7, P8, P9, selon le jargon qu'on a là-dessus, qui maintenant, du coup, seront toutes équipées eau, électricité, tout à l'égout, et la partie carrossable, qui du coup fait le tour par le dessus pour redescendre derrière la dernière barre. Les travaux seront en mars. Ouais, on va trouver une autre chose. Bon, c'est pas le coût des travaux, 35 000 euros, c'est pas énorme. Mais quand même, la philosophie générale, on est en train de réhabiliter les anciennes barrages de la colonie. Donc, ça veut donc dire que c'est des réseaux, c'est de l'eau, c'est du courant, c'est du téléphone. Ça veut dire qu'on considère qu'on va les conserver. C'est vrai que y a pas, sur le long terme, on n'a pas vraiment une super projection. Moi, j'aurais plutôt vu ces habitats plutôt péjoratifs de les détruire. Et puis, on est sur des surfaces existantes et puis faire autre chose plus loin. Donc, ça veut dire que voilà, les 35 000 euros, bon. Quelque part, là, donc c'est pas possible, si tu veux, avec toutes les discussions qu'on a en ce moment dans le cadre de la révision du PLU avec les services de l'État sur ce type de zone. Si tu détruis le bâti tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas le reconstruire. Donc là, il y a question d'empirer. Tu peux uniquement réhabiliter l'existant, Ça m'y passe, c'est pas énorme non plus, mais à un moment donné, ça veut dire voilà, on a l'existant, on va s'arranger avec ça. Voilà. Bah, l'idée, si tu veux, c'est. Et le dimensionnement des voiries, est-ce que par exemple, si une barrette peut être amenée à recevoir des véhicules lourds, il faut prévoir, quand on fait justement de l'empirement, il est question de faire une voirie lourde, une voirie automobile, c'est 45 cm. Enfin, je parle sous le contrôle de l'ancien ingénieur de la DVE. Une voirie roulante, c'est pratiquement 80 moins 1 mètre. Hein, c'est ça, à quelque chose près. Voilà, mais c'est vrai que s'il peut y avoir un traiteur, quelque chose, ça peut être probablement un site qui va être lié à l'événementiel, à la manifestation. Donc là, il y a du lourd, il peut y avoir un SMI avec des écrans qui se déplient, voilà, des écrans plein jour pour faire des manifestations, tout ça. Voilà. Là, on est parti. Faut pas qu'on fasse du ski, quoi. C'est vrai que. Non, mais c'est en fait, t'as deux niveaux. C'est-à-dire que si par exemple on est
sur une zone d'activité, typiquement celle qu'on est en train de refaire pour le tout à l'égout sur la zone de la Jarrie. Là, tu sais que de par l'activité typiquement météo, là avec ces bus, dès le départ, il faut qu'effectivement tu aies une structure de couche, bicouche, etc. soit acceptée parce que tu vas avoir un passage régulier qui est lié à l'activité. Là, on est en remettant dans l'occasionnel là-dessus. Donc justement, avant d'engager les gros frais pareil, sur l'ensemble du truc, en attendant qu'on sache exactement quelles seront les dispositions des uns et des autres, c'est la version optimum qui permet de pouvoir se servir de l'ensemble des potentialités du site sans avoir à ce que ça coûte une blinde, sachant que l'intérêt pour ce qu'on appelle l'eau, l'élec et le tout à l'égout, c'est d'avoir la tranchée qui part depuis les réseaux qui existent aujourd'hui au coin qui est en face de chez Virgile, à la Quaitière, qui est là le réseau historique sur lequel la colo a toujours fonctionné, et qui dessert les angles de chacune des barres. Là, on n'est pas dans le boulot, dans toutes les barres, etc. C'est au moins de se dire, une fois que les réseaux sont faits, si demain, vous allez, au moins ce truc-là, il est fait. Et après, l'idée de le faire ensemble, c'est quand la machine est là, c'est la même qui fait trancher. Et toutes les barres sont conservées. S'il y en a qui étaient vraiment endommagées, on conserve tout. Là, en l'état, oui. À détruire, en tout cas. Je voudrais poser une question. Là, c'est la première fois, moi, à mon sens, que je vois un budget voté à la Quaitière. C'est-à-dire que je sais qu'il y a eu des travaux de fait. Et est-ce qu'on pourrait savoir exactement le montant global des travaux qui ont été effectués à la Quaitière depuis un an et demi, deux ans? Parce que je n'ai jamais vu passer de budget alors, précis à ce sujet-là. Donc justement, ça c'est un super boulot qu'ont fait Noël, Jacqueline et Carole. Là, comme ça, justement, on a demandé d'avoir une lecture analytique, ce qu'on n'avait pas jusque-là, parce qu'en fait, on n'est pas obligé, comme on est commune, de 3500 habitants. Mais justement, pour que ce soit plus lisible et plus clair, on a demandé ce boulot-là qu'on nous a présenté à la dernière commission des finances et qui sera du coup, donc vient à la prochaine commission des finances, pour qu'on voit poste par poste et bâtiment par bâtiment. Et là, grosso modo, si tu veux, sur la réhabilitation donc de la, on va dire, la partie est de la première barre, qui est celle qui a été rénovée, plus les premiers travaux, parce que quand on dit tout à l'égout, il a quand même fallu un peu bosser, parce que je ne te cache pas que comme le truc est fait entretenu depuis 20 ans, ben, tu le sais, forcément, tu avais des racines, tout, etc. Là, de mémoire, je crois que c'est 45 000 euros en tout, tout qui a été fait en régie, en comptant et le matériel acheté et le temps de travail des collègues via le logiciel Artelis qui ont été mis dessus, notamment Joël qui a fait un énorme boulot pour mettre le coup de peinture extérieur et le coup de peinture intérieur. D'accord. Et l'idée ensuite, si tu veux, l'intérêt de faire ça, d'avoir une gestion analytique par bâtiment, c'est comme on est en train de partir sur un suivi de plus en plus précis des fluides, c'est déjà le travail que fait Philippe, tu sais, à aller voir les compteurs partout, etc. Comme ça, on va avoir le coût d'entretien gros up, on va dire, et ensuite le coût de fonctionnement à l'année, là, pour faire le pilotage. D'accord. Bon, c'est vrai que, bon, je rejoins un peu Daniel, dans le sens où, à l'époque, quand on avait voulu faire la Grange des Arts à côté de la crèche... La feu, Grange des Arts. La Grange des Arts, oui. Mais quand je vois, pour 70 000 euros, comment je devais manierer, parce qu'il fallait agrandir le réfectoire, quoi, et que ça passait jamais, et d'année en année, on repoussait la Grange des Arts. Elle a fini par s'effondrer, la pauvre, mais bon. Et que là, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont entreprises, il y a du boulot qui est fait, il y a de l'argent qui est dépensé, forcément. Et puis voilà. Il y a aussi eu beaucoup de... Sous l'ancienne municipalité, ça marchait pas comme ça. On oublie de dire qu'il y a eu beaucoup de bénévolats quand même. Il y a des gens, ils se sont arrachés les mains. Hein, oui, mais pour l'herbe, ça c'est bien. Non, mais moi je parle, apparemment, il y a eu les volets, enfin, je ne sais pas si les volets, mais les fenêtres, tout un tas de choses qui coûtent relativement cher. Ça doit quand même avoir un montant assez élevé quand même. Ah, parce qu'en fait, le principe des huisseries, ça c'est ce qu'on appelle sur l'autre partie de l'apéro bricolo, c'est qu'en fait, là, comme tout a été pété, hein, tu vois le truc. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du plexi qui coûte le moins cher, et en fait, on a gardé une huisserie, on va dire, sur deux, de qualité, par. Qu'est-ce que t'as dit, sur deux, oui. Un sur deux. Non, même on a fait moins, justement, parce que ça coûte moins cher, mais on a fait une par face. Parce que tu sais que les barres, en fait, elles sont toutes faites pareil. La pièce, c'était le lieu de vie des gamins. En fait, elles font toutes 12. Les pièces des vous. Merci, Julie, les pièces des vous. Elles font toutes 12 sur 3-4 de large. Donc, on a mis une seule fenêtre par bout. Ensuite, et on avance comme ça au gré. Là, tu parles du réfectoire, là. Hein. Où était le réfectoire, hein.
Non, on parle de la première base. Ah non, d'accord. Non, mais je parle de le réfectoire, il n'a pas été... Non, 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 le réfectoire, on n'a mis que du plexi. Ah d'accord. Non. Parce que... Parce que le toit, il était quand même... Il y avait de l'amiante dans le toit. Non, non, en fait, c'est pas de l'amiante. Ah. Comment ça s'appelle le... Flocage. Ouais, flocage, ouais. Bon, on n'a jamais su trop... Pas d'amiante. Ah bon, d'accord. On a analysé. Bah c'est pour ça qu'il y a des gens dedans. Sinon... Oui, ah oui, parce que dans la somme dont je te parlais, merci Patrick, premier boulot qu'on a fait, si tu veux, c'est le bureau d'études. C'était qui? Veritas. Ouais, je crois que c'était Veritas, on décrachait plus. Un des deux, à qui on a demandé de passer pour la structure, solidité du truc, plus le contenu. Quoi. Bah, non, mais c'est pas sûr s'il y avait de la viande. Le problème est c'est bon. Non, mais la question que je pose, c'est parce qu'on n'a pas eu depuis un an et demi beaucoup de visibilité sur l'ensemble des travaux. Il n'y a rien eu de précis, on ne sait pas où. Voilà. Il y a beaucoup de bénévolat. Donc, oui, non. Voilà. Je suis d'accord, il y a du bénévolat, mais enfin, je pense qu'il y a eu de l'argent de dépenser. Oui, bon, sachant que, pour rappel, de toute façon, vous le savez, parce que c'est vous qui avez signé l'achat à l'époque. C'est 73 000 euros, hein, ou 72 900, je crois, maintenant, je crois qu'on a baissé un peu cette année, capital plus intérêt, de toute manière. Oui, enfin, ça. Ah, oui. Donc, ça, on va pas laisser cramer cet argent-là sans rien faire sur la qualité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, j'ai une question. Ouais. Lors de la commission de voirie du 10 octobre dernier, on a avancé un budget de 60 000 euros. Alors, est-ce que ces 35 000, ça va venir en déduction du budget de 30 000 euros de voirie, ou est-ce qu'on aura quand même 30 000 euros tout de suite? De toute façon, là, le budget, on n'a pas encore voté, et là, la question est simple. Est-ce qu'on va venir en 35 000? Non, 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 les 60 000 de voirie, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est le fait qu'on les ait chaque année, parce que de toute manière, il y a besoin de les mettre, même si vous pouvez mettre le double, voire le triple, ce ne serait pas si pire. Donc, ça, l'idée, c'est d'avoir le plan. C'est d'où l'intérêt d'avoir fait, sur le budget d'avant, je ne sais pas si tu te rappelles, un plan pluriannuel d'investissement pour justement inscrire ces grandes lignes-là et justement, elles ne bougent pas. Donc, on conserve nos 30 000 euros. Oui, c'est ça, ouais. Bah, et ce qui fait d'avoir un peu comme on l'a fait l'année dernière, c'est-à-dire un gros projet, donc là, la rue aux Alars, qui a mérité les tranchées de dernière minute. Pour mémoire, il y a le passé du 2 pour 6 000 euros. Le chemin des Nîmes, 22 500. La Paris, 1300. Et Bourg-Père, non. Enfin, tout, il y a 100 000 euros. Bourg-Père, c'est 45 000 euros. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et l'idée, donc, dans l'idéal, c'est ça, c'est de pouvoir faire une route importante et ensuite les aménagements vraiment. Après, le 2. Non, mais ça, on avait voté, donc on comprend. Ouais, bien sûr. Ah, en revanche. Non, mais en revanche, le vrai souci de fond qu'on aura, c'est si on veut, sur la durée, comme exactement ce qu'on est en train de vivre au village du 2, continuer à vouloir réaménager des bourgs et des centres-villes de hameaux qui n'ont pas du tout été faits pour la bagnole, de continuer à vouloir les adapter à la voiture, parce que le principal problème de là-bas, c'est ça en fait. C'est un endroit qui n'a pas du tout été fait pour les bagnoles au départ, et que là, du coup, est explosé passage après passage, parce que chacun se garde n'importe quoi. Ceci étant, 35 000 euros, c'est vrai que c'est pas un budget très important. Mais c'est surtout le. L'important des travaux qu'il y a à faire là, donc c'est pas. Mais non, mais parce que l'intérêt justement, c'est de mutualiser le matériel, tu vois, pour le. Et la tranchée. Alors, quelqu'un est contre. Moi, je voudrais dire autre chose, que la Caillitière, c'est quand même un lieu emblématique. Est-ce qu'il s'y fait? C'est emblématique du projet communal. Et je voulais trouver ambitieux et à la hauteur de nos ambitions de réfléchir à des solutions écologiques pour la rénovation de ce lieu, et notamment qu'on se laisse le temps de peut-être réfléchir à ce qui ne serait pas pertinent de mettre en place une piste d'épuration, ce qu'on a déjà évoqué. Bon, là, on ne se laisse plus le choix de réfléchir à des projets comme ça. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi d'aller vers l'autonomie énergétique sur un lieu comme celui-ci, quand une fois qu'on est. On a un regardement électricité, on ne fait plus ce retour en arrière d'un choix d'une autonomie énergétique sur un lieu comme ça. Donc je trouve un peu regrettable qu'on ne se laisse pas ce temps d'ancrer ce projet-là dans une dimension plus écologique.
Alors, après, ça n'a rien à voir, un raccordement énergétique et production d'énergie renouvelable. Ça n'a rien à voir si on veut être autonome, si on est en train d'être raccordé au réseau EDF. On ne peut plus faire marcher rien une fois qu'on est raccordé. On peut produire, mais on ne peut pas stocker. Mieux pour nous que pour le lieu, enfin, c'est des choix. Bon, bref, là, on ne se donne pas. Et puis, si il y a de la phytoplasmation. Ça ne marche pas comme ça, les raccords, que tu sois raccordé ou pas, à partir du moment où tu produis et tu gères, c'est est-ce qu'ensuite derrière ça se remet dans des batteries ou est-ce que c'est pour faire de l'hydrogène? Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est ça? Enfin, en tout cas, là, on se raccorde au réseau classique et on ne se pose pas la question de savoir si on va faire classiquement ou autrement. Si, la question se la pose, on continue à se la poser. Après, le sujet de la caissière, c'est comme. C'est comme d'habitude. Non, mais. Julie, la question, c'est qu'à un moment donné, discuter, c'est intéressant. Après, à un moment donné, il faut avancer parce qu'on en a besoin, et voilà. Ben, c'est pas des petites questions, à mon sens. Non, mais personne n'a dit que c'était des petites questions. C'est des questions. Oui, le fait d'avancer, c'est pas de la petite méthode non plus. C'est des questions de fond, et c'est des drapeaux qu'on porte, voilà, c'est des choix politiques forts. Oui, non, mais ça, après, chacun choisit ses drapeaux et les portes de la meule, ça n'y est pas de souci. Mais je rebondirai un peu sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que le problème de la qualité, on le connaît, on est sur un site classé, il y a des contraintes, on est sur le PPRN avec la submersion marine. Et c'est vrai qu'arriver à faire la différence avec un projet soucieux de l'environnement et tout, c'est peut-être le petit coup de pouce qui pourrait faire que le préfet ou la DREAL serait peut-être moins regardant si on arrivait avec un projet remarquable. Je rejoins tout à fait. Et de dire que voilà, alors c'est pas 35 000 euros de voirie avec la fidélité qui passe dans les cailloux, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si on est remarquable, si on est dépôt, si on est toutes ces choses-là, on peut dire attention, regardez, on a quand même fait des choses, on est exemplaire, donc voilà, arrêtez de nous embêter, on sait que c'est classé, mais quelque part on est dans quelque chose d'atypique, quelque chose de. Un laboratoire, quoi. Un site laboratoire, et on a cette ambition-là. Ça pourrait permettre de défaire certains lieux. Parce que tout semble verrouillé. On a nos 9 ou 8 barrettes. Tout à l'égout et de continuer à déposer avec nos déchets classiquement tout à l'égout. Et ça, dans l'idée, dans le truc, c'est super. C'est un moyen d'en sortir. Là, c'est que si on veut avancer pour faire les deux, et les deux ne sont pas antinomiques. Bah oui, justement. Mais c'est pour ça que. L'intérêt d'avoir une base de réseau qui fonctionne. Bah pour moi, c'est de l'argent mis en l'air. Mais voilà, ok, ça va servir là dans les médias. Et encore que pour le moment, il n'y a pas de destination. Il n'y a pas d'urgence pour moi pour ces trois bas du fond. Donc il n'y a pas pour moi d'urgence à ce que ce soit fait. Donc on pourrait se laisser le temps de se poser les questions et de faire des choix plus engagés. Alors, je vais te répéter ce que je te répète, c'est-à-dire que ça n'opère pas le fait d'avoir des choix. Pas, Grégory, c'est pas grave. Mais je ne te dis pas qu'on va être d'accord, c'est que je t'explique juste que le fait de le faire maintenant, mutualisant avec la voirie, c'est ce qui permet de le faire à moindre coût. Et ensuite, ça n'empêche pas de réfléchir sur la phytoépuration, de travailler sur les toilettes sèches, d'être effectivement sur un lieu expérimental, pourquoi pas. Effectivement, la DREAL, on demande de lieux comme ça. Après, entre le fait de dire oui, c'est bien dans un dossier, ce qu'on entend à l'occasion des visites à droite à gauche, et ensuite la mise en œuvre concrète, ce que je disais tout à l'heure sur le logement des saisonniers, une ancienne colonie de vacances. Aujourd'hui, concrètement, quand tu discutes avec le sous-préfet ou la DDTM, que le site soit dépôt, exemplaire, si ça, etc., concrètement, oui. On dit non, on ne fait pas dormir des gens parce que c'est pas possible. Tu vois ce que. Non, mais la réalité du truc qu'on dit. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on est, c'est nouveau. On est sur des problématiques de négociation. Je travaille sur un site Saint-Pierre, qui est un site qui a de la pollution, de l'amiante, un compteur EDF Pyralène. Quand il faut enlever ça, il y en a pour 100 000 euros, des choses comme ça. Un gros site et tout. Et c'est vrai que quand on dit on va dépolluer, on va enlever ça. Il y a des cubes de gasoil, des cubes d'essence enterrés, 10 minutes et tout. On va dire, plutôt que de les remplir avec du sable, ce qu'impose la réglementation. On peut les sortir, on peut les enlever, les dégazer, ça a un coût. Mais en échange, on demande des choses. C'est-à-dire qu'on demande, on demande des choses. Voilà, c'est on protocole, convention. On fait ça. Qu'est-ce que vous nous donnez en face? Ça marche comme ça aujourd'hui aussi. Voilà. Et sans être délirant, sans se mettre dans la loi, pas du tout. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a un site qui est existant, qui est comme ça, qui est péjoratif.
On propose de, d'extirper ceci, tout cet aspect de la situation actuelle pour aller vers des plus, vers des valeurs ajoutées, pour quelque chose de mieux. Et du coup, voilà, ça peut, il peut y avoir un bonus. Alors, avec les tirs, il y a à faire. Hein. Bon. Bah, il n'y a pas de pollution. Non, il n'y a pas de pollution. Voilà, ça, c'est pas ça. C'est pas ça, Godin. Et puis, on a les pieds dans l'eau. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, à ce qu'il y a très contre. Quelqu'un s'abstient. Ok. Merci beaucoup.